Et bonjour tout le monde, ici Endo pour le 7ème épisode de Regard dans le rétro sur Pokémon version argent. La dernière fois, on s'était arrêté juste devant le phare de Yveel. C'est parti. Tac, donc là on va avoir une succession de dresseurs. Et voilà le premier. De mémoire, il a des Pokémon vol. On va envoyer l'énergie. Non, on va envoyer Coquillasse, tiens. Tiens, qu'est-ce qu'il porte sur lui? Une perle. Ouh, ça coûte cher, ça. On va la revendre plus tard. On va voir ce qu'il vaut, notre Coquillasse. Donc c'est un vieux monsieur aux cheveux bleus. Louis Gentleman. Et ben j'ai une bonne mémoire. Si tu veux. Oh. Ça fait pas grand chose. Génial. Que cette attaque est chiante. Est-ce que j'ai quelque chose? Non, j'ai rien du tout. Oh, bah tant pis, hein. Oui, il fait clairvoyant si t'as envie. Écoute. Réveille-toi. S'il se réveille pas là, c'est foutu. De toute façon, c'est foutu quoi qu'il arrive. Parce qu'il résistera pas au prochain tour. Donc on va le renvoyer. Et on va appeler l'énergie. Oh, ça suffit, hein. Voilà. À peine chiant le gars. Tac tac. On va utiliser les deux, hein. Voilà. Georges Marin avec deux Pokémon qui nous font un petit art. Mince, oh, pourquoi j'ai fait charge? Ah oui, forcément, c'est pas très efficace. J'en reviens pas, ce petit art est plus rapide que moi.
trop faire augmenter Coquillas, donc hop. Il est niveau 20, mais il est quand même très très faible. Comme à peu près tous les Pokémon quand ils viennent d'être attrapés. On fait tous les combats. De quoi je me mêle? C'est qui celui-là? Ah, un ornithologue. Avec beaucoup de Pokémon, ça c'est bien. Parce que généralement ils ont beaucoup de Pokémon, mais ils sont de faible niveau. On va peut-être pouvoir faire quelque chose, notre Coquillas. Que c'est faible. Je pense que le gars n'a que des roues cool. Ah oh, celui-là niveau 19. Celui-là il va crier rapidement. Le dernier. Niveau 21. Encore un gentleman. En garde, l'ami. D'accord. Tancred gentleman. Il y a deux Pokémon. Ah, on va peut-être garder Coquillas du coup. Aïe. On va soigner Coquillas, qu'il tiendra pas, c'est sûr. Oh, bah non. Bon, d'accord.
on continue notre ascension. Et c'est par là normalement. Alors qu'il soit plus fort que Jasmine, je m'en fiche, je vais vous battre toutes les deux. Haute fillette qui nous envoie un Maril. Je doute que tu aies battu Jasmine avec un Maril niveau 21. Hop, ça c'est fait. Ce qui est drôle, c'est que ici il faut descendre pour remonter. Alberto Marin qui nous envoie un Tetart. Kokia, ça va pas le faire. On va envoyer l'énergie. Bon, on devrait pas me tuer normalement. Auquel cas, ce serait très très triste. Voilà, super, un petit coup critique des familles. On arrive à la fin normalement. Effectivement. Voilà le dernier. Est-ce que Kokias peut faire quelque chose contre lui? Bon, allez. Oh. Bon, c'est bon. Ça fait pas assez de dégâts. Par une petite charge, histoire de l'humilier un peu. Voilà. Bon, pour le coup, là, ça va être compliqué. Allez, on va faire ultrason. Ah, zut. Bah, zut, alors. Ok. Kadabra. Bon allez, on envoie l'énergie, mais je doute qu'il fasse quelque chose de bien. Quoique... Il y a 6 niveaux d'écart, peut-être que... Ah. C'est bon. Super Bowl.
Pokémon gardait la mer éclairée toute la nuit, mais il est tombé malade et il manque d'air. On dit qu'il y a une bonne pharmacie à Irizia, et c'est à l'autre bout des mers. Je dois m'occuper de Fari. Peux-tu aller chercher des médicaments? Pitié. Oh, pitié carrément. Eh bien, nous allons y aller. Direction Irizia, où il y aura la cinquième arène. On n'a pas fait tous les dresseurs. J'en vois qui là? Furiston, d'accord. Bah soit. Un rapace de pique. Il va brûler comme les autres, hein. Ah, suffit, oui. Quelques dégâts, hein, quand même. Bah tiens, on va envoyer l'énergie. Qui est presque niveau 25 normalement. Parfait. Et on récupère la bouboule qui est juste là. C'était 34, je sais pas ce que c'est. Vantardise, inutile. Complètement. J'avais pas fait tous les combats. Ah oh, mais là j'en vois le Furiston là. Ça ne va pas du tout. On va sûrement mourir. Ah bah là oui oui, c'est même certain. C'est pas grave, on envoie l'énergie. Deuxième Krabi, on garde l'énergie. Bon, j'espère que c'était le dernier quand même. Oui, voilà. On prend les raccourcis, hop. Et nous voilà dehors. On va faire un tour au centre Pokémon et on va se diriger vers Irizia.
Alors, je crois que j'ai rien oublié. Ah, il y a le shop ici. On va prendre quelques trucs. Super potion, on est déjà plein. Rien d'intéressant là-dedans. Un réveil, ici, on va prendre 5. Il y a marqué Pokémon dorment. Puis c'est tout. Ah tiens, Lucie, je suis Lucie du lundi. J'avais complètement oublié celle-là. Deck pointu. Hmm, c'est pour une attaque de type vol, ça. Effectivement, bah écoutez, c'est super. On va le donner tout de suite à... Ah, ou coups, j'ai complètement oublié qu'elle était là et qu'on était lundi aussi. C'est un heureux hasard. Hop. Là concrètement on va rencontrer surtout des Pokémon de type eau et de type poison. Je pense notamment à justement à Tentacool. Et du coup bah Coquillasse va pas être très utile, ce qui n'est pas le cas de Kadabra. Absolument que Coquillasse gagne des niveaux, sinon il va rester très faible. Même punition, rafale psy. Et ça va le one shot. Coquillasse niveau 22. Moi par contre les combats contre les Pokémon sauvages, on va les éviter. Fut impossible. Comment ça fut impossible? Je préfère ça. J'adore les Pokémon marins. Cool story, je m'en fiche. Ananageuse veut se battre, elle nous envoie un Starly. Et bah du coup là nous on va envoyer plutôt hop l'énergie. Ah, il est plus rapide que moi. Coquillasse. Toujours pour la même raison. Hein. Et on l'électrocute. Coup critique, décidément. Voilà, super.
vais au tourbillon, je vais les explorer avec un ami. Alors, les tourbillons, il faut savoir ce que c'est. C'est une grotte dans laquelle on peut trouver un certain Pokémon qui est Lugia. Pokémon légendaire type vol et glace, je sais plus. Et concrètement, on va pas les faire. Simplement parce que pour choper Lugia qui est niveau 60, déjà faut avoir une bonne team. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Pour être sûr de le choper, il faudrait avoir un Master Ball qu'on a après la ligue, donc pour le concours c'est pas très utile. Et surtout, les tourbillons c'est un vrai labyrinthe et dont je ne me rappelle plus du tout le chemin. Donc on les fera pas. On a déjà notre Pokémon type glace. A vrai dire, j'ai même envie de dire que notre équipe finale est déjà là. J'ai tous les Pokémon qu'il me faut pour affronter chaque membre de la ligue. Le plus compliqué, ce sera soit Peter, soit Marion. Les trois autres, ça sera très très facile. Pareil, toujours la même technique Coquillas en premier, puis on change avec l'énergie. Ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que l'énergie gagne plus facilement au niveau que Coquillas. C'est fait. On va être presque arrivé. Oh, c'est impossible. Ça suffit. Ça pour m'enlever ça comme PV, waouh. Et on est arrivé. Ça doit être là. On reçoit la potion secrète. Petit passage au centre Pokémon et on va faire l'arène. C'est parti. Donc c'est une arène de type combat. Oulala. Oulala. Niveau 27. Cadabra, pitié. Waouh, les dégâts. Oh, ça le tue pas. Oh mon dieu. Au secours. Recoups.
Aïe 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 aïe. Le gros problème, c'est que là, on va être obligé de faire le combat qui est juste après, parce qu'on est en face de l'autre dresseur. Alors j'aurais bien voulu partir. Laisse-moi deviner, t'as un tagnon, toi? Gagné. Kikli et Tai Nong s'est inspiré de personnes qui existent. Kikli de mince, j'ai oublié comment il s'appelle. Bah tout à l'heure. Bon, Tai Nong s'est inspiré de Mike Tyson. Et Kikli de... bah oh mince. De Bruce Lee. Ah là là. Tout ce temps pour dire ça. Eh mince. Voilà. Un séjour au centre Pokémon s'impose. Hein. Ah, il est plus confus. Ah. Normalement, il a rien pour me battre. Et bah, moi non plus. Et peut-être que si je le brûle. Ça perd les popettes. Bah, c'était pas de tout repos. Hein. Centre Pokémon, tout de suite. On ne réfléchit pas une seconde de plus. D'accord, je ne parle pas de la bullpen, sinon ça fait rien, donc je me sers de mes bras. Ce mec a un grain. Ah, déjà, ça va être beaucoup moins compliqué déjà là. Kadabra. Niveau 23 pour Kias. Niveau 25 pour Kadabra. Un match hopper. On va garder Kadabra pour assurer le combat quand même. Ouh, il a vraiment une sale gueule. Donc
là faut utiliser force, une petite technique. Voilà, tout simplement. Trois Pokémon. Ping, Karateka, enfin Ferro-Singe. Ah, je me demande s'il pourrait même presque pas le faire. Kokias. Oh là là. Allez. Super. Oh, ça fiche quelques dégâts quand même. Ouais. Oh. C'est pas pour ça que ça le tue pas. Ouais, super. Alors on va laisser Coquillas juste pour qu'il prenne XP, mais on va tout de suite le changer. Avec Kadabra. Pour le singe, on va garder Kadabra. Avec un peu de chance, ça va le rendre confus. Ou le one-shot. Oui, c'est bien aussi. Niveau 26 pour Kadabra, c'est super ça. Temps d'apprendre soin. Mais bon, qu'est-ce que tu as d'autre? Flash, choc mental, bah bon, pour le psy. Eh bien non. Là, on va utiliser nos potions. Plutôt que de perdre du temps à aller me centre Pokémon. On va mettre Kadabra en premier. Allez, on y croit. D'accord, le mec rote carrément, quoi. D'accord, donc nous avons affaire à un mec frimeur, comme quoi tous les dresseurs qui ont des Pokémon de type combat friment. Et parlent beaucoup. Vous comprendrez mieux quand on affrontera Aldo au Conseil des Quatre. Super. Un tartare, oui. C'est très très bon ça, le tartare. Et je sais pas trop quoi faire là. On va essayer de la cage éclair. Effectivement, il attaque avant nous, effectivement. C'est plus le cas. C'est parce que je pensais éclair, c'est beaucoup trop faible. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Allez, s'il te plaît. Aïe 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 aïe. Yes, on est plus confus.
Ok, au revoir l'énergie. Bien. On va compter sur Kadabra. Le problème, c'est que Tartar est un Pokémon de type O qui a des attaques de type combat. Ah non, c'est un type combat. C'est Tétard qui n'a pas le type combat alors. Bah c'est super. Ça fait complètement nos affaires ça. Hein quoi? Mais j'ai pas gagné là. Bah non. 3000 Pokédollars. Endo reçoit le badge choc, le cinquième badge. C'était 01, Dynamo Point. Et on va faire 2-3 petits trucs et on s'arrêtera là juste après. On en est où? Ah oui, il est temps qu'on arrête là. Bon, on va juste parler à cette dame. Tu as traversé la mer pour venir ici et tu as dû être bien sûr. Ça serait plus facile si tes Pokémon savaient voler. C'est la badge d'Irisia. Voilà pour toi une CS. CS02 qui contient vol. Oui, oui, oui. Trop de blabla. Arrête. Chut. Tu te tais. Je m'en fiche. C'était ta vie, ça. Je m'en fiche. Voilà. On va l'apprendre tout de suite à notre cher Roucoups. Oui. Roucoups. Oui. On va oublier charge. Et on va tout de suite aller eh bien à Olyville. Et on soigne Pokémon et on s'arrêtera là. Voilà, ça sera tout pour cette semaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu ou à la commenter également. Suivez Vincent Studio sur les différents réseaux sociaux. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao.